Éruption volcanique du Nyiragongo, le Front commun pour le Congo demande au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires. En marche de soutien à Vital Kamerhe, ce vendredi, dans les rues de Kinshasa, les militants de l'Union pour la Nation congolaise ont été dispersés par la police nationale congolaise dans l'avant-midi. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Éruption volcanique à Goma. Réunie en séance extraordinaire hier, la plateforme politique de Joseph Kabila annonce son soutien aux Gomatraciens victimes de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Le FCC demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires sur le terrain. Déclaration du Front commun pour le Congo sur la catastrophe naturelle liée à l'éruption volcanique Nyiragongo à Goma. Réunis en séance extraordinaire à Kinshasa ce jeudi 27 mai 2021, conscient des conséquences graves, humaines et matérielles de l'éruption volcanique du 22 mai 2021 et du danger permanent face à une nouvelle éruption, tenant compte des éléments alarmants présentés par l'Observatoire volcanique de Goma, OVG en sigle, avec notamment la possibilité d'extension du magma sur le lac Kivu, compte tenu du fait que le lac Kivu contient une quantité importante de gaz méthane non exploité, avec risque d'explosion pouvant conduire à la mort par asphyxie ou brûlure sévère, prenant acte du message du gouverneur militaire du Nord Kivu en date du 27 mai 2021, donnant un caractère obligatoire à l'évacuation des 10 des 18 quartiers de la ville de Goma. Au regard de l'ampleur de la menace qui pèse sur la ville de Goma, le Front commun pour le Congo et son autorité morale Joseph Kabila Kabongé, président de la République honoraire, font la déclaration suivante. Le Front commun pour le Congo suit avec préoccupation la situation de l'éruption du volcan Nyiragongo. Il présente ses condoléances à toutes les familles approuvées et exprime sa compassion à la population de Goma. Le FCC invite toute la population congolaise à l'unité, au patriotisme et à un élan de solidarité avec nos compatriotes de Goma. Le FCC demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du plan de contingence et dans la coordination des activités humanitaires sur le terrain. La situation au niveau de l'évacuation des populations ainsi que la prise en charge des populations déplacées étant très critique, le FCC exige du gouvernement que soient prises toutes les mesures urgentes pour soutenir et accompagner ces populations en détresse. Le FCC invite la communauté internationale et l'ensemble des acteurs humanitaires à se mobiliser aux côtés des populations sinistrées de Goma et ses environs. Le Front commun pour le Congo encourage l'Observatoire volcanique de Goma, OVG, et les autres scientifiques à rester focalisés sur la situation des volcans Nyiragongo et Nyamuragira et à donner en temps réel les informations utiles à la population et aux décideurs. À cette fin, le gouvernement est tenu d'apporter tous les moyens nécessaires devant lui permettre de mener à bien sa mission. Fait à Kinshasa le 27 mai 2021 pour le FCC, Raymond Tshibanda Tungamulongo, président de la cellule de crise. Et puis la ville de Butembo va accueillir dès ce vendredi les déplacés de Goma. Plusieurs convois vont se rendre sur place pour récupérer les habitants du chef-lieu du Nord Kivu. Décision prise à l'issue des échanges avec les représentants des quelques services étatiques et les agences de transport afin de solidariser avec les populations de Goma fuyant une éventuelle éruption du volcan Nyiragongo à 10 mètres Sylvain Kanyamanda au sortir de cette rencontre de crise. Nous sommes réunis pour réfléchir comment nous pouvons venir en aide ou en appui ou en accompagnement à travers une structure de contingence par rapport à ce mouvement qui s'oriente vers le Grand Nord Kivu. C'est ainsi que nous venions de nous mettre d'accord sur l'aspect solidarité et que tous les transporteurs puissent sortir de leur esprit, l'esprit commercial, mais plutôt, dans le cas d'espèce, dans cette urgence, voir comment intégrer aussi l'aspect humanitaire dans la solidarité. Afin de pouvoir avoir certains véhicules qui vont accepter de construire des convois qui devrait aller jusqu'à l'entrée de Goma pour récupérer les personnes qui sont en difficulté de faire mouvement vers ici. Déjà ce vendredi 28 mai, aux premières heures de la journée, des véhicules prendront la route de Goma, mais face aux contraintes financières, il ne sera pas possible de transporter gratuitement les sinistrés. À ce sujet, les transporteurs, sollicités par l'autorité urbaine, ont accepté de réduire de 5 dollars du prix normal le coût de transport pour les déplacer. C'est difficile de pouvoir rassurer
que ça sera gratuit, mais nous devons, les transporteurs et les chauffeurs venaient de se mettre d'accord de pouvoir réduire les prix ou les coûts ou les tarifs ordinaires. Et c'est là, pour les bus, ils ont accepté de pouvoir réduire de 5 $. Pour les voitures, même chose. Et aussi, ils demandent à l'État de pouvoir aller vers les attributeurs pour que ces derniers aussi participent, pour que cela soit possible à faire. Le maire de Boutembo en profite pour appeler tous ses administrés à se joindre à cette solidarité en faveur des déplacés de Goma. Et pour matérialiser cette initiative, une commission a été mise en place. La FEC, la SECO, les services de transport, la protection civile, la police, l'armée, les agences de transport et beaucoup d'autres structures en font partie sous la coordination de la mairie. Entre-temps, 6 sites ont été retenus au sud Kivu pour abriter les déplacés en provenance de Goma. Des milliers d'habitants de la ville de Goma, justement, qui se sont déplacés jusque dans la cité de Sake, dans le territoire de Masisi, fuyant une probable éruption du volcan, ont passé leur première nuit à Sake. Si pour les uns, ils ont passé cette nuit dans des familles d'accueil et dans des églises ou salles de classe, les autres, par contre, étaient à la belle étoile avec toutes les conséquences liées aux intempéries. Cette première nuit a été difficile pour plusieurs familles qui disent attendre toujours l'assistance du gouvernement. C'est dans des conditions déplorables que plusieurs familles déplacées dans la cité de Sake, fuyant une probable éruption du volcan Nyiragongo, ont passé cette première nuit. Florence, une cinquantaine d'années, et vivant avec handicap, sollicite une assistance en urgence. On a dormi avec beaucoup de difficultés. On est venu aussi en difficulté. La bâche est trouée, on est dehors. La souffrance nous dépasse et cela ne suffit pas. Regardez, il n'y a pas même la nourriture pour les enfants. On mange comme des animaux. Aidez-nous pour que les enfants aient des médicaments, la nourriture pour leur survie. Et moi-même, handicapé, aidez-moi dans cet état. Si pour certaines familles ont passé cette nuit dans des églises ou salles de classe, d'autres ont été obligés de dormir à même le sol et sous la pluie. On a passé nuit dehors ici d'ailleurs où nous sommes. Depuis notre arrivée, on a dormi ici. On a bien dormi, mais ici dehors. On a manqué où aller passer nuit. On a supporté le froid et même la pluie parce qu'on n'a pas de choix. Sur terrain dans la cité de Sake, une seule ONG est déjà intervenue afin d'apporter sa première assistance, ce qui est salué par cette dame. Ce n'était pas facile vraiment, et les conditions ne sont pas réunies. Nous avons vu à côté de nous, il y a seulement MCF qui nous a appuyés, qui a installé l'eau toute la nuit. Au moins l'eau, nous avons l'eau, mais les autres conditions, on n'en a pas. Les gens sont en train de souffrir, ils dorment à la belle étoile. Pour éviter le calvaire dans la cité de Sake, quelques personnes ont déjà commencé à regagner la ville de Goma, surtout qu'il n'y a pas encore eu éruption volcanique. Aux côtés de la catastrophe, l'insécurité. Au moins 8 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque ADF à Beni, d'après l'administrateur du territoire interrogé par nos confrères de 7 sur 7.cd. Les assaillants ont attaqué simultanément deux entités de Beni Tene, Rwenzori et Migende. Récit de Jenny Kaimbe. C'est un nouveau coup de force pour les secteurs de Rwenzori qui avaient perdu plus d'une douzaine de ses habitants la nuit de mardi à mercredi dernier, dans une attaque attribuée aux ADF en territoire de Beni au nord Kivu. La nuit d'hier jeudi à ce vendredi, les territoires de Beni ont enregistré de nouvelles pertes en vies humaines dans une double attaque des rebelles ADF, précisément à Rwenzori et à Mingende. Les bilans provisoires font état de 8 morts, dont 5 civils tués à Mingende et 3 à Kilia près de Kisima, route Beni-Kassindi, dans un incendie des véhicules. Pourtant, quelques Gomatraciens, fuyant des secousses sismiques, se dirigent vers Beniville. Il convient de signaler que ces tueries interviennent en plein état de siège, décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri.
De la politique dans ce journal, Vital Kamerhe continue de bénéficier du soutien de ses sympathisants à 3 jours du verdict attendu à la Cour d'appel. Ce vendredi, une marche a été organisée par les militants de l'Union pour la nation congolaise dans les rues de Kinshasa pour apporter un soutien tous azimuts à leur leader Vital Kamerhe et réclamer sa libération. Ces derniers ont été dispersés, hélas, par la police à coups de gaz lacrymogène. Ils étaient plus que jamais unis et mobilisés à Kinshasa ce vendredi 28 mai. Cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise se sont retrouvés devant le siège national de l'UNC sur Triomphal pour le rendez-vous de la marche de soutien à leur leader Vital Kamerhe et aussi réclamer sa libération. Cette marche qui avait également pour objet d'apporter un soutien aux habitants de Goma frappés par l'éruption volcanique s'est vue dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police. Et pourtant, l'autorité provinciale avait été informée. Nous avons informé, tel que le prévoit notre constitution, l'autorité. Et ce matin, nous sommes surpris par la réaction de la police qui vient de jeter même des gaz lacrymogènes dans notre siège. Vous pouvez y aller, il y a plein de mamans qui suffoquent là-bas. Et pourtant, le message est clair, nous n'avons que 2 messages. Le soutien total aux populations de Goma et Nyiragongo, mais aussi le soutien à notre justice, qui va siéger en deuxième degré le 31. Et nous pensons que cette fois-ci, la vérité va triompher par rapport au dossier de l'honorable Vital Kamerhe. L'INC, c'est un parti de l'excellence. L'INC n'a pas de bandits ni de brigands. Mais nous déplorons ce que font la police ici. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Sur ce, nous avons le droit de marcher et exiger l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, puisque c'est un procès politique. Les sympathisants du parti cher au président national Vital Kamerhe demeurent soudés derrière celui qu'ils appellent affectueusement Monsieur l'innocent et espèrent en un aboutissement heureux du procès en appel dont l'audience est fixée au 31 mai prochain. L'ancien premier ministre de la RDC, Bruno Tshibala, a été honoré par la nouvelle jeunesse congolaise qui lui a décerné un diplôme de mérite pour notamment, je cite, ses loyaux services rendus à la nation. Bruno Tshibala Nzenze, premier ministre honoraire, entre un peu plus dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour avoir prêché la bonne gouvernance sous sa gestion, une gestion sanctionnée par l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales de 2018 sous fonds propres. La nouvelle jeunesse congolaise vient de décerner un diplôme de mérite à celui qui avait, sous Joseph Kabila Kabangé, refusé la politique des mains tendues. Et à l'issue de l'examen des performances réalisées par différentes personnalités politiques, celle du gouvernement Tshibala a retenu l'intention du comité exécutif qui, à cette occasion, a décidé unanimement de lui décerner les présents diplômes de mérite pour la bonne gouvernance ayant permis l'organisation des élections sur fonds propres et conduit à l'alternance pacifique par la passation du pouvoir, une grande première de notre pays. Très ému par cet acte de reconnaissance, Bruno Tshibala Nzenze a demandé à toute la jeunesse ici représentée, à savoir prêcher par les bons exemples en sachant consentir des sacrifices. J'ai aujourd'hui soutenu que pour notre pays, nous devons tous consentir des sacrifices énormes parce que il y va de notre devoir, de notre obligation et de notre responsabilité de veiller au devenir de notre peuple. Comme le disait en son temps les faits Patrice Emery Lumumba, héros national, ou même dernièrement Kofi Annan, le développement de la République démocratique du Congo ne se définira pas de l'extérieur, mais de la conjugaison des efforts à l'intérieur par ses fils et filles. Fin des travaux de l'atelier régional conjoint sur la synergie d'action en Afrique centrale pour une gestion durable des ressources naturelles à travers les données d'observation de la Terre. Ces assises ont été organisées sous la coordination de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et dans le monde, conflit israélo-palestinien, l'ONU lance une enquête sur les violations des droits humains à la demande des pays de l'Organisation de la coopération islamique après les violences entre Jérusalem et Hamas à Gaza. La nouvelle commission ne devra pas uniquement enquêter sur le dernier conflit à Gaza, mais aussi étudier toutes les causes des tensions récurrentes dans le territoire occupé, y compris à Jérusalem-Est.
C'est une décision saluée par l'autorité palestinienne du Hamas qui y voit un pas en avant dans la protection des droits humains des Palestiniens. Le conflit israélo-palestinien a occasionné la mort de 266 personnes, dont 12 en Israël et 254 en Palestine, entre le 10 et 21 mai de l'année en cours. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va par cette enquête étudier les causes profondes des tensions, de l'instabilité et de la prolongation de ces conflits. Ainsi, dans la mesure du possible, identifier les coupables et les traduire en justice. La décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU semble n'y pas rencontrer les attentes des autorités israéliennes, qui dénoncent une décision honteuse, encourageant selon elles les terroristes du monde entier. En sport, Vodacom Ligue 1, les rideaux de la 26e édition vont tomber la semaine prochaine pour des raisons d'organisation. C'est pour permettre à toutes les équipes de jouer le même nombre de matchs. Hier, le club a balisé le chemin pour soulever le titre en battant le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi sur le score de 2-1. Les deux réalisations des Moscovites portent les signatures de Lilepo Maccabi et Obed Mayamba. Quand vous vous fixez un objectif et que vous arrivez à l'atteindre, vous êtes que content. Mais bon, on va rectifier un petit peu. Nous, on a fait notre travail. Dans nos calculs, on a 70 points, même si le résultat de Don Bosco, il faut se le dire, est mis en suspens. Mais je ne vois pas comment on pourrait nous enlever ça parce que notre bonne foi est plus que bien manifeste. Elle a été un petit peu, en plus, attestée par la fédération. Donc, on voit pas comment, parce que je reviens là-dessus, personnellement, parce que quand j'ai su qu'il y avait peut-être quelque chose, on a écrit à la fédération. On a écrit à la fédération, et la fédération nous a répondu. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a fait jouer le joueur. Sinon, on l'avait pas fait jouer avant. À partir du moment où il y avait un doute, on l'a pas fait jouer. La fédération nous a écrit, et en plus, on dit que le transfert est homologué. On ne retrouve pas sa trace à la KFA, donc je ne vois pas comment ça sera décidé autrement. Donc, qu'à cela ne tienne, on laisse les gens décider. Mais nous, on est sur le terrain, on fait notre travail sur le terrain. Il nous reste encore un match face à Lubumbashi Sport. Mais on est très heureux aujourd'hui, surtout avec le scénario qui était compliqué. Quand vous jouez au tennis, on appelle ça jouer petit bras. Quand vous devez terminer un match, vous avez un petit peu peur. On a marqué un but très tôt. C'est peut-être ça qui a été un petit peu notre petit calvaire. Et après, on se demandait si on attaque ou on n'attaque pas. Donc, on est resté un petit peu, bon, on va rester poli, entre deux chaises. Avec l'égalisation de Lupopo, ben voilà, ça nous a réveillés. Et je pense que les dernières minutes du match ont montré quand même le vrai niveau de la SV Club parce qu'on a eu une grande emprise. Et les joueurs ont eu la volonté d'aller arracher la victoire. Côté Lupopo, on accepte sportivement la défaite. Nous avons payé cash parce que le football c'est ça, hein? Moindre de concentration surtout à des heures de dernière minute là, quand on est déconcentré par erreur on marque, on encaisse, c'est ce qui est arrivé. Sinon on n'a pas démérité, mais on assume, on accepte, c'est la sportivité oblige. Ils ont gagné, ils nous ont battu par 2-1, mais seulement il y a un aspect aussi qu'il faudrait soulever, il faudrait révisionner la vidéo de notre but et à la frappe des Bengo. Moi je pense que c'était un but qu'il fallait valider. Je ne suis pas l'arbitre, je n'ai pas de vidéo, mais essayons un peu de voir cette vidéo, revoir cette vidéo. Peut-être, on pourrait faire mieux même si on ne pouvait pas gagner, mais un match nul est aussi à notre portée. Alors, allez-y comprendre. Mais sinon, on accepte avec sportivité. Courage et bravo à l'ASV Club. Ils ont mérité, nous aussi on n'a pas démérité. Donc c'est ça, le football. En culture, pour terminer, le réalisateur belge Jean-Marc Rosberg vient de relancer le débat sur la problématique des enfants de la rue dans son nouveau film Kinshasa Now, mettant à l'affiche un adolescent, Mika, victime d'une injustice familiale. Ce film de réalité virtuelle est annoncé dans 4 grandes villes de la RDC. Détail avec Bob Ambongo. Kinshasa Now. Le tout récent film du réalisateur belge Jean-Marc Hoachberg dévoile les déséquilibres vécus par Mika. Victime d'abus dus à la jalousie conjugale et accusé de sorcellerie, ce sont de nombreux adolescents comme lui qui s'injectent dans le vide des rues de Kinshasa pour se dérober de la maltraitance familiale. Selon le réalisateur du film, ces enfants sont face au choix. Certains enfants, pour eux, les enfants de la rue, ils considèrent qu'aller dans un centre, c'est un peu une prison. C'est pas facile de cadrer un enfant des rues qui a été habitué à cette liberté factice, hein. Ils croient qu'ils sont libres. Donc certains enfants restent dans le centre,
et d'autres enfants pas. Et ici, dans ce cas-ci, on a eu des enfants qui sont restés dans le centre et d'autres qui sont partis. Mais néanmoins, avoir été l'attention d'un projet, ça modifie déjà, ça leur donne la possibilité d'avoir des projets. Jean-Marc Wagenberg, qui récidive après le succès de Kinshasa Kid, lance cette fois-ci un plaidoyer pour le cas de 35 000 enfants. En fait, ces enfants discutent entre eux sur la problématique de c'est quoi notre futur, quoi. Est-ce qu'on continue à vivre dans la rue ou est-ce qu'on rentre dans un centre? Est-ce qu'on va à l'école? Et c'est ça le film. Réalisé grâce à l'appui financier de la TMB avec l'accompagnement du Régère et de l'OCPR, Kinshasa Noun, qui a eu le mérite d'être soumis au feu de la critique auprès des journalistes dans le salon Le Monde des Flamboyants, sera en tournée jusqu'au 25 juin dans 4 villes de la RDC. Une occasion pour les amoureux du cinéma de se prêter au mode de la réalité virtuelle sous un casque VR 360 degrés. Vous l'avez si bien dit, Boba Mbongo. Place au rappel des titres. Éruption volcanique du Nyiragongo, le front commun pour le Congo demande au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires. En marche de soutien à Vital Kamerhe, ce vendredi, dans les rues de Kinshasa, les militants de l'Union pour la Nation congolaise ont été dispersés par la police nationale congolaise dans l'avant-midi. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.